Bonjour à tous, bienvenue dans Fast Club. Bonjour Nicolas. Salut Stéphane, bonjour à tous. Nicolas Mélin, l'expert du Fast Club, qui m'accompagne pour cette deuxième semaine ici au Salon de Genève. La semaine dernière, on avait pu vous montrer qu'une fraction des nouveautés de ce salon. Et alors là, aujourd'hui, pour commencer, on est devant la nouvelle star sous les spotlights, la Porsche Boxster. 100% nouvelle, la grosse nouveauté présentée ici à Genève. Mais avant tout ça, regardez le sommaire de cette semaine. Cette semaine, dans Fast Club, nous allons vous faire découvrir toutes les plus belles nouveautés du Salon Automobile de Genève. Nous commencerons avec Porsche qui dévoile la très attendue et très réussie Boxster et une version cabriolet de sa célèbre 911. Vous verrez ensuite l'essai du petit Range Rover Evoque. Ce modèle très prisé sera-t-il à la hauteur de la réputation de Range Rover? La réponse dans un instant. Nous poursuivrons notre visite chez Bentley qui présente un 4x4 délirant, le concept EXP9F. Vous verrez ensuite un festival d'avant-première mondiale chez Toyota avec la GT86. Chez Mercedes avec l'extravagante SL63 AMG et la très attendue classe A. Chez Citroën avec le concept DS4 Racing. Et nous terminerons avec la magnifique Aston Martin Zagato. Fast Club, c'est tout de suite sur W9. Voici donc la toute nouvelle Porsche Boxster. Alors moi j'adore quand Porsche présente en première mondiale une voiture grise intérieure rouge, c'est magnifique. Et alors, faut qu'on arrête de dire que le Boxster c'est la Porsche du pauvre. Alors je l'ai quand même entendu encore il y a 5 minutes dans les années. Elle a une réputation qui la précède. Alors ceci dit, c'est vrai que l'intérieur de la Porsche Boxster était déjà une référence. Voilà. Aujourd'hui, ils ont mis le cap encore plus haut. C'est exceptionnel. Sublime, vraiment magnifique. Alors déjà, c'est vrai que le tableau de bord des nouvelles 911 était magnifique. Alors, plein de détails, on va vous la montrer en vidéo, mais regardez, moi ce que j'aime bien Nicolas, c'est con, hein, mais ces petites choses comme ça, ces petits détails, regardez, le feu arrière, qui a une forme particulière, qui vient épouser le béquet, plein de petites choses comme ça. Surtout, moi ce qui m'intéresse, c'est que la Porsche Boxster est une vraie bonne voiture avec son 6 cylindres en position centrale. Il y a le moteur. C'est une voiture exceptionnelle de notre temps, de notre génération, et très franchement, si on lui mettait la même puissance que dans la Porsche 911, je pense qu'elle serait meilleur, ça, c'est sûr. Proportionnellement parlant, parce que c'est une voiture de notre temps. Faut pas oublier que la reine des sportives a tout de même 50 ans. C'est vrai, alors elle est souvent modernisée, mais c'est vrai que cette voiture est vraiment géniale à conduire. Nous, on est fans avec Nicolas, et c'est vrai qu'elle n'a pas la réputation d'un 911. Regardez en image la toute nouvelle Porsche Boxster. Arrivée du Porsche Boxster sur la planète Terre. Le début de la fin pour de nombreux Porschistes. 2005, renaissance du Boxster, avec la deuxième génération. L'honneur est sauf, les puristes mettent un peu d'eau dans leur vin. Le style est plus affirmé, la finition progresse et les motorisations sont plus enthousiasmantes. 16 ans plus tard, et 300 000 exemplaires vendus, le Boxster 3e génération débarque. Ce millésime 2012 n'a à première vue pas grand-chose de nouveau. Flanc plus creusé, béquet reliant les deux feux arrière, regard plus vertical avec optique redessinée, bouclier avant plus proéminent. Le style conventionnel reste dans la plus pure tradition de la marque. Côté mécanique, le 6 cylindres à plat est de rigueur. Vous aurez le choix entre un 2,7 litres de 265 chevaux ou alors, pour la version S, un 3,4 litres de 315 chevaux. Le Boxster version 2012 a tout pour ennuyer ses concurrents. Audi TT, BMW Z4 ou Mercedes SLK. Enfin, tout sauf un tarif serré. Mettez de côté 50 000 euros minimum, voire 60 000 pour le modèle S. Après l'arrivée du coupé, le penchant cabriolet de la 911 était la suite logique. Même si Porsche a voulu rester fidèle à la capote en toile, enfin presque, cette 911 cabriolet est innovante. Mais ça ne se voit pas. Porsche a réalisé un toit escamotable en magnésium, au contour arrondi, mais qu'il a recouvert de toile. Ainsi capotée, la 911 cabriolet ressemble comme deux gouttes d'eau au coupé. Sous le capot, elle bénéficie des mêmes mécaniques que sur le coupé, à savoir les flat 6 3,4 litres et 3,8 litres de 350 et 400 chevaux. Comptez 101 056 euros pour la Carrera et 116 528 euros pour la version S. Sa version 3 portes et 5 portes fait le carton du moment malgré les tarifs délirants en vigueur. Et là, je pense que ça va être aussi fort. Ça va être un véritable carton pour ce Range Rover Evoque
cabriolet. Très franchement, Stéphane, fallait juste y penser. Exactement. Voilà. Alors, pour l'instant, ça reste un concept car, mais c'est tellement abouti qu'on a bien compris qu'ils vont sortir bientôt. Alors, il y a déjà eu des préparateurs qui faisaient des Range Rover cabriolet, mais c'était vraiment à l'unité. On l'a jamais fait comme ça. Et c'est vrai que, voilà, c'est juste génial, regardez. Dans les villes, les petites parisiennes, par exemple, etc., ça va pulluler. Alors, le problème, bien sûr, ça va être le prix. On a compris que chez Land Rover et Range Rover, on tape très très fort, mais nous on a craqué, parce que c'est vrai que ça peut paraître bizarre, un petit 4x4 urbain en décapotable, mais ça marche à mort. Hein. Ils l'ont bien compris, chez Range Rover, la clientèle qui va vouloir se l'offrir ne va pas compter. Ça c'est sûr, le principe ça va vraiment être les premiums, petit par la taille, mais très cher par le prix, ça c'est un peu le problème. Et puisqu'on y est, je vous propose de découvrir l'essai du Range Rover Evoque, mais la version fermée, hein, la normale j'allais dire, par Erwan Maillard. Aujourd'hui, vous allez découvrir le nouveau venu sur le segment des SUV compacts de luxe. Alors autant vous dire que pour se faire une place à côté des BMW X1 et Audi Q3, mieux vaut être bien préparé. Mes confrères de la presse spécialisée l'ont tous encensé, il s'agit bien sûr du Range Rover Evoque. Il serait un carton plein, c'est ce qu'on va vérifier tout de suite et je vous promets d'éclaircir le phénomène Evoque qui s'installe sur la ville. Avec l'Evoque, Range Rover ouvre sa gamme vers le bas pour gagner un plus large public. Enfin, l'ouverture se fait par la taille, mais pas forcément par le prix. Et oui, l'Evoque reprend le positionnement marketing lancé par la Mini et de la petite voiture vendue au prix d'une grande, d'une très grande même. À 52 000 euros le prix moyen des commandes passées chez Range, vous pouvez rouler en BMW série 5 ou en Audi Q5 bien équipé et beaucoup plus grand. Autant dire que le pari est osé. Pour tenter de comprendre l'engouement que suscite ce SUV, nous sommes rendus chez un spécialiste, Monsieur Leloir. Bonjour. Il est ostéopathe. Oh bah je vois que vous êtes en pleine forme. Et ça va bien? Depuis combien de temps vous êtes comme ça? En 2 heures, qu'est-ce qui se passe? Bah j'en sais rien. Depuis une semaine, ils viennent tous comme ça. On dirait une exacerbation du réflexe oculocéphalogique, hein, pour faire simple. Ils sont tous bloqués. Ils sont tous bloqués. Voilà. Et oui, ce style à tomber par terre fait mouche dans la rue. Les passants sont unanimes, ils se dévissent tous la tête sur son passage. Pour séduire, il fallait remiser le profil d'armoire normande du Range Rover classique pour adopter des lignes plus tendances, beaucoup plus sensuelles. Cette gueule, le petit SUV, la doit au LRX, le concept car dévoilé en 2008 à Détroit. Et chose rare, face au succès de son design, Range Rover n'a quasiment rien changé. Et le concept car se retrouve aujourd'hui dans la rue sous le nom d'Evoque. On y retrouve les gènes Range, avec notamment cette calandre en nid d'abeille, héritée du grand frère. Et puis, au-delà du dessin, ce qui fait ce style trapu, ce sont ses dimensions. Avec 4,35 m de long, l'Evoque est pourtant court. C'est à peu près le gabarit d'une Peugeot 308. En revanche, il est incroyablement large. 1,96 m rétroviseur rabattu, à 2 cm près, c'est le gabarit de l'énorme Audi Q7. Et ça le rend beaucoup plus imposant visuellement, c'est plutôt flatteur. Va falloir le garer le costaud. L'Evoque aurait-il sacrifié le côté pratique pour privilégier le look? Pas sûr. À en voir l'habitacle, tout est fait pour que les passagers s'y sentent bien. Si bien que certains se posent des questions. Alors monsieur, expliquez-moi, qu'est-ce qui se passe? Bonjour. Bonjour. Bah écoutez, je comprends pas. J'avais ce fauteuil qu'on vend toute l'année, constamment, oui. Et depuis quelques temps, plus rien à faire, on n'en vend plus un seul. Alors expliquez-moi. Voilà. Et oui, quand on voit la qualité et le style de cette sellerie cuir, on comprend que la concurrence en tout genre frémisse. L'accueil à bord est soigné. L'Evoque est loin des finitions grossières des premiers Range. Cette planche de bord offre tout le standing nécessaire pour se revendiquer SUV de luxe. L'équipement de base est correct, mais ce GPS et ce toit panoramique en verre sont à piocher dans le catalogue des options. Et le plus surprenant, c'est que malgré le gabarit ramassé de ce SUV, l'espace offert aux places arrière est super satisfaisant. Décidément, c'est impossible à prendre en défaut cette Evoque. Ah si, j'ai trouvé. L'accès aux places arrière, pas terrible. Hein. Et Erwan, il existe en version 5 portes aussi. Hein. Oh, alors là, je peux pas lutter. Et oui, ils ont pensé à tout chez Range Rover pour faire de ce SUV un best-seller. Sous le capot, il y aura bien sûr les incontournables moteurs diesel de 150 et 190 chevaux. Mais le 4 cylindres essence de 240 chevaux est pour l'instant le seul moteur qui offre à l'Evoque la noblesse qu'il mérite. Les performances sont plus qu'honorables, avec un 0 à 100 km/h effectué en 7 secondes 6. L'agrément de conduite est si plaisant qu'on en refuserait presque de marcher. Mr. Rogers, cordonnier, observe d'ailleurs un drôle de phénomène. Je ne comprends pas. Depuis quelques temps, ils m'amènent tous leurs chaussures avec le pied droit, comme ça.
Ah, c'est fondu de l'accélérateur. À ce caractère sportif s'ajoute une ambiance intérieure très typée. Le poste de conduite avancé, comme sur une GT, avec le pare-brise très proche. Cette faible surface vitrée et ce plafond très bas mettent le conducteur dans une ambiance de cockpit très agréable. C'est à la fois agressif et cosy. Ah, ça y est, je le tiens. Je lui ai trouvé un défaut. Bon, un détail, mais à améliorer quand même. C'est cette boîte automatique à 6 rapports, pas toujours carré-carré. Hein. Ça manque parfois de souplesse et puis surtout la des réactions qui ne sont pas toujours très logiques. Pas de doute, ça vaut pas une DSG de Volkswagen. L'Evoque surprend aussi côté comportement routier. Pour un SUV, il vire à plat et se montre assez vif à mener. La suspension pneumatique en option de cette version y est sans doute pour beaucoup. En tout cas, elle réalise le bon compromis entre confort et efficacité. Le Range Evoque a donc tous les atouts d'un excellent SUV de luxe. Évidemment, ses tarifs sont largement prohibitifs. À 32 900 euros pour une version de base, 4 portes, diesel, de 150 chevaux et 48 700 euros hors option pour cette version coupée essence de 240 chevaux. Il surclasse ses éventuels concurrents comme l'Audi Q3 ou le BMW X1. Voici sans doute l'une des voitures les plus regardées, les plus admirées de ce salon. Pour l'instant, c'est un concept car, mais ça annonce sans doute beaucoup de choses à l'avenir. Un 4x4 incroyable, signé Bentley, Nicolas. En tout cas, ce qui est fascinant, c'est de voir le mélange de l'artisanat, ce travail de bois, de cuir, toute cette artisanat extraordinaire, combiné à la technologie, à la grande technologie qu'on connaît d'Audi. Et là, ils nous sortent une auto étonnante. Tout à l'heure, on est arrivé près de la voiture avec Stéphane, il y avait une nuée de gens autour de la voiture, on ne pouvait même pas la voir. C'est une des grandes, grandes attractions de ce salon, absolument sidérant. Ils vont la faire, hein. On est quasiment sûr qu'ils vont la faire. Elle sera moins extrême que ce concept car. Regardez cette calandre, agressive, spectaculaire. Regardez ces roues, immenses. Et alors, rien que le tableau de bord, Stéphane, est magnifique. Le tableau de bord est exceptionnel. On peut compter sur Audi pour essayer de se décaler, il y a déjà tellement de concurrence, il va falloir faire beaucoup plus, ça va être très cher, mais c'est très très séduisant. Alors juste pour le plaisir, on va aller voir ce qu'il y a dans le coffre, vous allez voir, c'est complètement fou. Alors encore une fois, c'est un concept car, mais regardez, l'aménagement de la partie arrière, c'est dément, Nico. Alors à n'en pas douter, de toute façon, ça fera partie des accessoires ou des options qu'on pourra avoir. C'est certain, on est vraiment dans l'esprit du gentleman farmer, et je trouve qu'il a vraiment quelque chose de très familier avec le Range Rover. Ah ouais, c'est vraiment, en tous les cas, très séduisant. On va regarder les images de cette voiture complètement folle, encore une fois. Hein. C'est un concept car, mais on est quasiment sûr que la version définitive sera proche de cette voiture. Regardez ce tout nouveau 4x4 signé Bentley. Avec ce concept EXP9F, Bentley tente de combler un trou dans sa gamme et inaugure le genre des limousines 4x4. Un SUV qui n'a pas un physique facile, surtout de face et de profil. La preuve que les 4x4 ne font pas partie du patrimoine maison. Cet exercice de style était là pour prendre la température et il est loin de faire l'unanimité. Il ne vous plaît pas? Rassurez-vous, il va changer. Sortie prévue en 2015. Une autre bonne nouvelle sur ce salon. Nicolas, Toyota s'intéresse au plaisir de conduite et c'est nouveau. Bon alors, je commence par les bons points. 4 cylindres, 2 litres, 200 chevaux, 1200 kg. Ça va être pas mal. Ça nous plaît. 4 cylindres boxer en plus, donc avec des cylindres qui avancent comme ça, c'est ce qui offre le meilleur caractère moteur pour un 4 cylindres. Alors, il y a la même chez Subaru, hein, ils ont mis sur deux marques, Toyota et Subaru. C'est quoi la mauvaise nouvelle chez toi? Les Japonais font toujours des voitures moches. Ah, mais non, je suis pas d'accord. Elle est moche, elle est moche. Regarde les roues, regarde les feux à l'arrière, regarde. Non, c'est pas mal. Elle est moche, elle est quelconque comme une japonaise. Non, non, t'es dur. Moi, je la trouve jolie. En plus, ils s'inspirent de l'ancienne. Ah, c'est une merveille. La Toyota 2000 GT, une merveille. Ils s'en inspirent, mais excuse-moi, c'est pas du tout la même chose. Regardez, la Toyota 2000 GT, vous la voyez dans les images. Voilà, ça, alors attention, c'était un 6 cylindres, c'était super cher. Il y en a eu 334 de vendus. Là, pour le coup, c'est la voiture de référence parce que Toyota rêve d'un passé très très haut de gamme. Alors, l'habitacle, attention Nico, hein, le but c'est d'être face à la Sirocco et tout ça. Hein. Une extraordinaire odeur de plastique, Stéphane. Oui, ils veulent serrer les prix, que ce soit compétitif. Ah moi, bah oui, ils les serrent les prix, là c'est sûr. Mais non, mais quand tu vois l'état du pare-soleil et des plastiques à l'intérieur. Oui, mais alors, moi ce qui m'intéresse malgré tout, c'est qu'ils veulent vraiment offrir des sensations, mais tout en étant très raisonnable. Oui, parce que la question, va-t-elle être vraiment une bonne auto à rouler? Alors, une bonne auto à piloter. Dans Fast Club,
ils affirment qu'effectivement, le plaisir de conduite, les sensations ont été privilégiées sur cette voiture. Alors, c'est vrai que c'est pas si courant chez Toyota, qui est un constructeur de grand volume. On a hâte de la voir. Bon, Nico, je sais pas te convaincre. Et une très belle imitation carbone aussi, hein. Magnifique. Ouais, j'arriverai pas à l'arrêter. Du allez, plus bel effet. Allez, on continue. Avec cette GT86, la passion est de retour. Au menu, 4 cylindres à plat, d'origine Subaru. Un 2 litres atmosphérique pour monter haut dans les tours. 200 chevaux transmis aux roues arrière. Et seulement 1200 kg sur la balance. Un retour à l'essence même de la conduite sportive et au plaisir des sens. Pulvériser les records en ligne droite ne semble pas être le credo de ce petit coupé sportif. Développée conjointement avec Subaru, la Toyota GT86 ne manque pas d'allure. Jante 17 pouces, aileron arrière, double sortie d'échappement mettent tout de suite la puce à l'oreille. On relèvera un bel effort de la part du constructeur en matière d'audace et d'agressivité. Ce coupé apporte comme un vent de fraîcheur à une gamme Toyota bien triste. Grâce à son architecture et ses solutions techniques, cette sœur jumelle de la Subaru BRZ offre une alternative originale à ses rivales européennes, Peugeot RCZ ou autre Volkswagen Sirocco. Si le cœur vous en dit, il ne vous reste plus qu'à mettre 30 000 euros de côté d'ici cet été, histoire de partir en vacances, via les petites routes sinueuses. Autant mêler l'utile à l'agréable, non ? Présentée en première mondiale ici à Genève, la Mercedes SL 63 AMG édition 1, une série limitée pour démarrer. Qu'est-ce que t'en penses ? Je pense qu'il va y avoir beaucoup de séries limitées pour pouvoir les vendre. En tout cas, c'est un succès depuis des générations et des générations. Incroyable. La SL500 est une vraie bonne voiture, quasiment une icône, comme la 911 chez Porsche. Alors, par contre, toi, c'est ta spécialité. Je sais que tu es un grand amateur de Mercedes et surtout de SL. Ah, j'adore. Alors, excuse-moi, mais en tout cas, tu me confirmes, c'est bien une toute nouvelle voiture, parce que comme ça, de loin, j'ai l'impression que c'est encore l'ancienne. Alors, t'as pas tout à fait tort. C'est vrai que, autant la précédente génération avait marqué une rupture stylistique spectaculaire. À chaque fois, même. Voilà. Ça, tu as raison. Et là, c'est vrai qu'ils sont plutôt dans la continuité. Ils n'ont pas osé. Elle s'est tellement bien vendue, la précédente, qu'on est un petit peu déçus sur le plan visuel. Technologiquement, 564 chevaux, tous les équipements. Ah, chevaux, c'est démentiel. On est à peu près 50 chevaux d'une 589 Fiorano. Effectivement, on est à peine en dessous de certaines Ferrari. C'est vraiment une voiture incroyable. Mais c'est vrai qu'ils ont un peu retenu le crayon. En revanche, ils se sont totalement lâchés sur la classe A, tu vas voir. Complètement fou, ils ont allé très très loin. Regardez les nouveautés Mercedes présentes ici à Genève. Vous la connaissiez sous la forme d'une voiture urbaine au look de monospace. Cette ère est révolue. La classe A est désormais une compacte dynamique, typée sport, dans la veine des Audi A3 et BMW Série 1. Avec cette troisième génération, Mercedes ne garde que le nom et change totalement de point de vue. Nouvelle plateforme, nouveau design, nouvelles proportions. Pour entrer dans sa nouvelle peau, la classe A s'est métamorphosée. L'avant, avec sa grande calandre frappée de l'étoile, affiche un certain dynamisme. Son long capot et ses flancs sculptés, très marqués, lui confèrent une ligne sportive. L'arrière, lui, est plus décevant. L'intérieur tranche avec le passé. Aérateur façon SLS, large console centrale, gadget high-tech. Tout simplement sobre, sans être austère. Lors de son lancement, en septembre prochain, cette classe A New Look disposera d'une gamme de moteurs allant de 115 à 211 chevaux en essence et de 109 à 170 chevaux en diesel. Cette version 5 portes en a gardé sous le pied. Une version coupée, une cabriolet, une berline, un SUV et très fortement une version AMG devraient aussi voir le jour. Vous l'aurez compris, la mission de cette nouvelle classe A est plus qu'ambitieuse. Conquérir de nouveaux clients pour devenir la première berline compacte premium du marché. Le Mercedes SL dans sa livrée AMG, c'est le coupé cabriolet haute performance par excellence. Une étoile filante animée par le dernier V8 5,5 litres suralimenté. Cette nouvelle génération délivre la bagatelle de 537 chevaux. Et si vous n'êtes pas rassasié, vous pourrez opter pour le pack performance. Résultat, 574 chevaux. Mais qui dit gros moteur, dit gros chèque. Au bas mot, comptez 160 000 euros en ticket d'entrée.
Si un jour Nicolas m'avait dit que Citroën présenterait une voiture gris mat, élargisseur carbone, imitation carbone. Oui, oui, des grosses roues, incroyable. Hein. C'est vrai que c'est looké, c'est rock'n'roll. Pour moi, Citroën, c'était plus le style vieillissant ministériel comme l'espèce de berline bizarre derrière. C'est vrai que c'est looké, ça en jette. Alors, encore une fois, DS4, Racine. Concept, oui, elle n'est pas encore sortie. Voilà, elle est pas Sébastien Loeb est en train de la développer. Voilà. Donc à mon avis, ça va être un beau joujou de 254 chevaux. Quand même. Enfin, ceci dit, elle a quand même l'air assez lourde, haute, grosse. Oui, oui. Ils ont un peu honte, ils mettent pas le poids. Hein. Mais en agrément de conduite, on sait que ce sera pas incroyable. Enfin, quand même, le geste est sympa. Alors bien sûr, à côté, la DS3 WRC de Sébastien Loeb, championne du monde en titre. Excusez-nous, hein, on salue la championne. Et puis alors, celle-là, en revanche, Nico. Elle est commercialisée, série limitée, Sébastien Loeb, la DS3 Racing, c'est top ça. Encore une peinture mate. Ouais, ouais. Ça plaît, hein. Ça plaît, noir mat. Le moteur est un tout petit peu plus puissant parce que c'est une série limitée. 207 chevaux. 207 chevaux, ça voilà. Commence à pas rigoler. C'est hein. Looké, c'est looké, c'est looké. Hein. Moi j'adore cette voiture, avec effectivement les petits détails qu'il faut qu'une série limitée, on aime bien parce que ça fait voilà un petit truc. Et puis c'est quand même normal, Sébastien Loeb est champion du monde, se servir de son nom. Franchement, la marque au chevron, moi je l'avais enterrée il y a quelques années. C'est du poussiéré, hein. Ouais. Bravo. Allez, on poursuit la visite du salon. Sous vos yeux, la Citroën la plus puissante de l'histoire. Voici la DS4 Racing et ses 256 chevaux. C'est du moins ce qu'elle préfigure, car elle se présente sous les traits d'un pseudo-concept car, mais qui va vite devenir réalité. Rendez-vous en septembre au Mondial de l'Auto à Paris. Alors, sur le stand Aston Martin, Nicolas, on est à la fois séduit par cette voiture et un peu triste parce que pendant que tous les autres font des nouveautés, des nouvelles technologies, des nouveaux modèles 100%, et ben là, on est au énième replâtrage, quoi. Replâtrage, ils prennent du retard. Alors, moi qui suis un inconditionnel de Aston Martin, moi qui suis également un inconditionnel de Zagato, oui, la ligne est sublime, mais je suis déçu. Déçu par quoi? Alors déjà, bon, il y a des petits appendices, franchement, les ronds... pas les ailerons, moi je trouve sympa, mais bon. Et effectivement, c'est vraiment du rhabillage, encore et encore, il n'y a aucune nouveauté. Les feux à l'avant, on s'imaginait que ce serait peut-être des nouveaux feux. Non, c'est exactement la même chose, à part la double bosse de Zagato. Voilà, il y a une double bosse sur le toit. Alors c'est vrai que Aston Martin est indépendant depuis la crise financière, et c'est vrai que depuis qu'ils n'ont plus Ford pour... assurer le développement, et ben il se passe plus grand chose. Alors qu'en face, ça avance à une vitesse folle. Alors, il faut remettre les choses dans le contexte. On est là devant une finalement œuvre d'art, une future voiture de collection. Absolument. Voilà. Et la voiture est très belle. C'est très beau. Accordons-le. On attend avec impatience une vraie nouveauté chez Aston Martin. Des nouveaux moteurs, un nouveau châssis, un nouvel intérieur, bref. Il n'y a qu'à voir vraiment le phare. Ils ont remis le phare de la V8 Vantage. Juste petit décrochage. Voilà, et vu qu'il y a des décrochages, il... Ouais, des petits détails comme ça, effectivement. Les prises d'air sur le capot, le double bossage, il y a plein de choses. Hein. Mais bon, voilà, c'est quand même une énième version collector. Les collectionneurs vont adorer. Mais alors, s'il vous plaît, hein, monsieur Aston, une vraie nouveauté. Mais quand même, pour le plaisir des yeux, voici le film de l'Aston V12 Zagato. C'est l'histoire entre un constructeur anglais et un carrossier italien qui débuta en 1961 avec la rarissime Aston Martin DB4 GT Zagato. Depuis, ces deux maîtres dans l'art sont devenus de fidèles alliés. 50 ans plus tard, ils mettent de nouveau leurs talents en commun. La recette, une très exclusive V12 Vantage. Pour info, elle s'est vendue l'an dernier à seulement 14 exemplaires en France. Aujourd'hui, elle s'est transfigurée. Calandre agrandi et prise d'air inédite, énorme aileron, feu arrière rond, poupe tronquée et la signature Zagato, le double bosselage sur le toit. Cette fois, il n'y aura que 150 propriétaires dans le monde qui se contenteront des 517 chevaux d'origine. Un bijou à 360 000 euros. À Genève, on est bluffé par la technologie, les nouveautés, le high-tech de tous les constructeurs, mais il y a au moins un constructeur, un seul, qui depuis 1936 n'a pas changé la ligne de sa voiture, c'est Morgan, et ça rassure, ça fait plaisir. Mais pas du tout, Stéphane. Ils sont mis à l'écologie aussi. Regarde-moi ça, ouais, un vrai c'est moteur incroyable, électrique. Un moteur électrique dans une Morgan. 160 chevaux, Stéphane, le 0 à 100 en 6 secondes, avec une boîte 5, et tu peux recharger ta Morgan. Voilà, comme ça, par derrière. Donc comment allier
Artisanat et technologie dans un autre style que Bentley. Tu as un châssis en bois, mais un moteur électrique. Tu vois, on n'a pas fini de découvrir des choses avec l'automobile. C'est complètement fou, mais je reconnais que là, beaucoup le coup, Morgan fait très fort avec beaucoup d'humour. Il y aura des Morgan 4 cylindres, 6 cylindres et maintenant électriques. Bon, allez, nous on se retrouve la semaine prochaine. On a été ravis avec Nicolas de vous accompagner pendant 15 jours ici à Genève. Et dès la semaine prochaine, retour dans le garage du Fast Club. Ciao. À bientôt.